Il y a 2 jours, ce sont les sœurs Elizabeth et Dolly Nielsen qui ont disparu. Leur père Stuart a été retrouvé mort à l'orée des bois. Il semblait avoir été dévoré. Ainsi, une équipe a été montée au sein du village et son objectif est retrouver les fillettes. Sachez, je vous le dis, qu'il y a des abris un peu plus loin au nord. Peut-être que là-bas on peut se cacher. Dites qu'il y a des cachettes. Peut-être même des cabanes ou des anciens abris qui pourraient abriter des gens qui souhaiteraient se cacher. Ah ouais. Vous avez exploré toute la forêt ? J'y ai passé... Vous savez quoi ? Je sais même plus combien de temps j'y ai passé dans cette forêt. Je suis même pas certain d'en être vraiment revenu. Monsieur Murray, je vous arrête. Vous chassez quoi ici exactement ? Dans cette forêt, j'ai poursuivi un cerf. Un très très grand cerf. J'ai poursuivi pendant des jours et des jours et des jours, et au bout d'un moment, quand je me suis retourné, je savais plus trop où j'étais. Le chasseur me semble bien trop familier de ces bois. Il me semble étrangement trop à l'aise et familier des lieux. Je comprends, j'ai pas confiance en lui non plus. J'ai l'habitude qu'on me regarde un peu de travers, mais j'aime pas quand on me regarde de travers avec un fusil. Je suis déjà venu dans la forêt. Le bois d'hiver, c'est sans doute le dernier endroit où j'ai passé mon mari il y a de ça 4 ans. Tous les deux ont partagé une cache là où on se trouve. Si jamais on se faisait attaquer ce soir, peut-être une solution de repli. Oui. Il y a quelque chose derrière l'arbre. Je suis presque sûr que j'ai vu des doigts s'y faufiler. Ça a dû partir. Je suis là. Oui. Je pense que il faudrait que vous veniez voir les griffures avec nous, peut-être. Voilà. Elles sont juste là. Il y a un esprit très très puissant ici. Il est autour de nous. Il y a un lieu qui est marqué par des pierres, un cercle de pierres dressées. J'ai peur que ce soit en rapport avec des créatures. Peut-être un Wendigo, ou peut-être pire encore. Le chef sans nom. C'est pour ça, il faut aller vers le feu. Pendant ce temps-là, quelques minutes avant cela, l'herboriste s'avance vers la fine équipe regroupée autour de l'arbre. Alors tu arrives vers eux et tu remarques du coup le colporteur qui s'est arrêté, un peu, voilà, bon, sachant pas trop quoi faire, la lumière qui s'arrête, puis tu sens que l'ambiance est très tendue dès que tu vois le colporteur.
Alors j'avance progressivement avec ma serpe et en faisant bien attention de bien voir que tous les gens qui se trouvent autour sont des amis, hein, et de m'approcher d'eux vraiment quand j'en suis certain, il n'y a pas de démons en eux ou des forces maléfiques. Non, enfin, en tout cas, il n'y a rien qui te paraît... Voilà, c'est... Alors, bah, du coup, me voilà rassuré. Tu te rapproches d'eux, du coup ? Oui. Ok. Donc, tu arrives au niveau du chasseur, qui est là avec sa lanterne, et qui est toujours plus ou moins en train de, du coup, d'essayer de regarder ce qu'il y a autour, mais qui ne voit rien. J'ai mon fusil qui est braqué aussi dans l'obscurité. Mm. Ah, et très clairement, je ne vais pas obéir, après avoir relu ma fiche de personnage, je ne vais pas obéir aux instructions de l'étranger. Donc, je continue à reculer lentement en arrière. Okay. Toujours en essayant de regarder ce qui se passe dans moi. Ok. Est-ce que donc du coup il y a l'herboriste qui vient de te rejoindre ? Est-ce que t'as quelque chose à lui dire ? Il y a quelque chose dans les fourrés. T'approche pas. Recule comme moi, tout doucement. Tu lui montres que tu as peur, il va te tuer. Je reste derrière le chasseur et je fais ce qu'il me dit. Sagement. Moi, je continue à scruter le plus possible aux alentours. Je sais pas si je peux retirer un dé au cas où. Vas-y. 2. Ok. Donc, c'est marrant. T'arrives, tu regardes et vraiment, c'est le noir total. Tu sais que t'arriveras pas à discerner grand-chose. Tu sais d'ailleurs que ça sert à rien d'essayer plus en avant. Ouais. Non, je continue à reculer du coup, pas à pas, pour redonner le feu principal. Ok. Donc, vous rejoignez le colporteur. Pendant ce temps-là, l'étranger... Je regarde comment réagit Monsieur Marlon, Jack. Parce que, en fait, tu vois, si Jack préfère rester avec le chasseur et continuer la marche, je reste avec eux. Sinon, je vais avec Jack vers le feu. Alors, t'arrives, tu les rejoins. Vous arrivez, donc vous êtes tous les quatre, ce qui n'était pas le cas depuis le départ. Le colporteur est toujours plus ou moins en attente d'explications sur ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose dans les bois. Vous disputez quelque chose. Un cerf, encore ? Non. Pire qu'un cerf. Un Wendigo. Alors du coup, c'est plus un humain avec des crochets maintenant, hein ? Ça arrive à tout le monde de se tromper. Je vous conseille de lire ce livre. Et je ferai une bible. C'était très inattendu. Eh oui. Wendigo ? On devrait plutôt se rapprocher du feu, du coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ils craignent le feu. Mais si jamais Monsieur Murray préfère jouer au héros, qui vise le cœur. Ouais, je continue à reculer lentement en arrière avec ma lanterne et le fusil. De toute façon, s'il craint le feu, il va goûter à la poudre. Mais je recule. Je veux le voir venir. Si jamais il m'attaque dans le dos, je veux le voir venir. Ok. Vous arrivez du coup au campement. Vous vous attendez du coup à voir... L'apprenti et la guérisseuse en attente un peu de d'explication quant à l'agitation des bois, et vous avez la surprise de les trouver presque plus inquiètes que vous. Il y a un Wendigo dans les parages, vous l'avez vu ? C'est pas ce qu'on a vu, mais c'était pas poilu. Si c'est pas poilu, on peut pas le tuer alors. C'est quoi cette logique ? Les plumes alors ? Je tue les oiseaux. Meilleure réplique de personnage de cette session. Il y a des t-shirts qui vont être faits là-dessus. Et c'est la dernière phrase que prononça le chasseur. Éventré par le Wendigo. Juste après. Ok, attendez. Qu'est-ce que vous avez vu du coup, vous ? Et après, tous les deux, on parlera du Wendigo ensemble, toi et moi, à l'étranger. L'étranger chrétien, visiblement. Moi, j'ai vu quelqu'un se jeter dans la gueule du loup, en tout cas. Dans la gueule du loup ? Tu veux parler de la guérisseuse ? Abby. Oui, ça va. On a vu un enfant et puis il a disparu et je suis retrouvé là et je sais plus ce que je dois croire ou pas là. Un enfant ? Un enfant disparu ? Les cris, les pleurs, c'était. Ça ressemblait à un enfant, mais c'était autre chose. Mais justement, je vous propose pour qu'on y voit plus clair de vous distribuer du coup ma fameuse plante pour combattre la fatigue. Pour être sûr et pour avoir des raisonnements particuliers. Pour être sûr que ce qu'on a vu... Non, vous voulez pas de mon talent d'herboriste, en fait.
J'ai rien dit. Ah, j'ai 46 000. Non mais j'ai 46 000 plantes et puis si je m'en sers jamais, je sers à rien quoi. J'ai une serpe et puis voilà quoi. Enfin je suis la bonne femme qui reste parmi le groupe quoi. Enfin je suis un quota quoi, c'est ça. Et en plus le fait que j'ai les cheveux blancs. On va la boire ta potion. On va la boire ta potion. Mais ok pour la tisane. On va la boire ta tisane. C'est ok. Je pense que je vais même prendre pour moi une plante qui me soigne, voilà, qui me calme. Allez hop. La bonne potion. Non. Donc là, du coup, tu utilises quel plan? Tu utilises donc l'Aquilée pour la fatigue? Pour oui. tout le monde, du coup? Oui. Donc t'en avais 5, du coup, ça utilise tes 5? Y compris moi. Y compris toi, ouais, du coup. Et toi, tu utilises ah non, du on coup est, on un. Est six. On est 6. Ah oui, vous êtes 6. Oui, on est 6. Ah oui, donc il y a une tu personne qui ne pourra pas en profiter. Moi, je la prends pas. 5 feuilles. Avec 5 feuilles, tu fais 5 tisanes, non? On met enfin, tout en commun. 6 tisanes. Ouais. Oui, on peut faire une tisane. Je fais une grosse tisane. En faisant une tisane, tu pourras en utiliser que 3 du coup. Ah. Ouais, une tisane. Ah, 3% si tu veux dire. De la neige? Est-ce qu'on a de l'eau? J'ai du whisky. Il y a peut-être de la neige. Il y a de la neige? Pas d'eau. Ah, il n'y a pas encore de neige non, autour de vous. Ah. Non. Est-ce qu'on peut faire une tisane dans le whisky? Faire un grog. C'est clair. Attends, on n'a pas d'eau? Bah non, on n'a pas de bouffe, on n'a pas d'eau. C'était quoi cette équipe de sauvetage pété? On est quand même parti. On a forcément une courde, tu vois. Enfin. Tu me diras, c'est pas précisé dans le. Non, c'est. Il n'y a pas dans l'inventaire. Je sais pas, monsieur le MJ, est-ce que tu. Oui, non, mais non. Du coup, je recheck rapidement les. les inventaires de tout le monde. Non, alors, vous aviez pas de. Vous aviez pas d'eau, par contre, vous avez une petite casserole. Bon, effectivement, d'un point de vue logique, ça paraîtrait normal que vous ayez au moins une gourde pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que pour cette fois, du coup, vous avez donc une gourde qui est pleine que vous n'avez pas utilisée dans la journée. Il faudra penser à faire le plein, quoi. Ouais, voilà. Il faudra aller à la rivière, okay. Au ruisseau. Une gourde chacun, oh, une gourde pour tous. Une petite tisane. Une gourde pour tous, putain, les aventuriers les plus claqués au sol du monde, quoi. Genre, des équipes de secours, quand même. De secours qu'il va falloir secourir au bout d'une heure, quoi. mec, putain, ils sont morts dans la forêt. Non, non, ils sont juste déshydratés, c'est tout. Ils sont partis sans bouteille d'eau. On peut pas au moins avoir une gourde par couple? Vu qu'on est à chaque fois deux par deux. À peu près. Hein. Non, mais on va dire deux gourdes. Ah, il y a deux gourdes. Une gourde de plus. De toute manière, on va pas se faire des tisanes tous les quarts d'heure, donc ça va suffire, je pense. Oui. Non, mais bon, apparemment, demain, la bruit qui permet de se sentir apparemment, apparemment, d'après ce qu'on est parti, on est supposé mourir à la première nuit. Je suis désolé, hein, Tiffany, mais qu'en est-il de la seconde tisane? Moi, je suis là. Je crois que donc, du coup, moi je bois ma part de tisane et je fais la part des choses. Et je me rappelle que tout à l'heure, il me semblait avoir entendu le bruit d'un animal, très clairement. Bon, alors qu'on récapitule pendant qu'on boit cette tisane, on a le bruit d'un animal bizarre dans une cave, le bruit clairement d'un Wendigo et Wendigo. Aussi des enfants qui pleurent. Pardon ? Wendigo. Wendigo, pardon. Wendigo. Un enfant qui pleure. La question que je me pose là tout de suite, c'est comment tous les deux, vous savez comment lutter contre des Wendigo? C'est une longue histoire. Une longue histoire. Vous avez déjà lutté contre des Wendigo? Il se trouve que Jack et moi, on a beaucoup voyagé. Et comme vous le savez, dans les territoires au nord, dans les territoires des tribus, il y a beaucoup d'esprits qui hantent les lieux. Disons qu'il se trouve qu'au cours de ma pérégrination... Joshua m'a sauvé la vie et que par le passé également, des natifs m'ont également sauvé la vie et que j'ai pu apprendre de leurs coutumes. Et il est vrai que le Wendigo est une part très importante du folklore amérindien et que donc ils m'ont appris comment m'en défendre. Et Joshua également, donc nous appliquons ce qu'on nous a appris, ce que m'ont appris les natifs. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu à m'en servir, heureusement. Et force est de constater qu'ici, tout est possible. Alors, si ces connaissances, même partielles, peuvent nous aider à nous en sortir un peu plus, oui, le feu éloigne les Wendigo. Ok. Bon. Ils craignent le... C'est quoi qu'ils craignent dans le feu? C'est la lumière? Du coup, est-ce qu'ils craignent le jour aussi? Est-ce qu'on peut repartir le jour ou non? C'est que le feu. C'est le feu et la lumière, oui. En règle générale, les Wendigo attaquent plutôt de nuit. C'est la chaleur qui craigne, donc. Bon. Le moment le plus risqué, c'est la nuit.
Si on arrive à rester autour du feu la nuit et qu'on repart la journée, on devrait plutôt être Après, ni lui ni moi n'avons tué de Wendigo de nos mains. Donc, au final, on n'en a jamais fait l'expérience. Mais si ce que racontent les légendes, et comme tu le disais si bien tout à l'heure, Clyde, toutes les légendes ont une part de vérité. Si Wendigo il est, eh bien, dans ce cas, j'aurais tendance à considérer qu'il craint le feu. Peut-être même les rayons du soleil, qu'en sais-je. En tout cas, nous ne l'avons pas croisé dans la journée. Et c'est de constater qu'il fait nuit et que nous entendons et voyons des apparitions qui semblent très perturbantes. Il chasse de nuit le Wendigo. Très bien. De jour, il a plus l'habitude de traquer ses proies. Et il est très très discret. Du coup, la nuit, l'idée, c'est de rester tous ensemble le plus proche du feu, d'attendre que le jour se lève pour partir le plus rapidement possible au village. Je vois pas trop d'autres options. Ou alors on prend tous de quoi avoir une torche. On repart en pleine nuit dans la forêt, je pense que c'est encore plus dangereux. Je sais pas, mais... pas que ce soit une bonne idée, en effet. Je suis assez d'accord, ouais. J'ai une question à poser à Josua. Tout à l'heure, quand on était au niveau des pierres gravées, tu disais qu'un esprit nous avait repéré dès le début. Est-ce que c'était le Wendigo ou est-ce que c'est encore autre chose? Puisque vous nous dites que le Wendigo traque ses proies la journée. Donc, est-ce qu'il nous a traqué depuis le début? Dis-leur. Notre vie à tous est en danger et je pense qu'ils ont le droit de savoir. C'est possible, mais il y a une autre légende qui habite ces bois. Il y a très longtemps, il y a plusieurs générations, il y a un chef de guerre, un chef de tribu très très puissant qui a été enterré. Si on l'a inhumé ici, ce n'est pas pour rien. En fait, il a été tellement cruel tout au long de sa vie que ce sont ses propres guerriers qui ont dû l'arrêter dans sa folie. Sa folie, elle était tellement meurtrière en fait qu'il se mettait même à manger ses victimes. Par pur plaisir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été enterré au cœur de cette forêt et que depuis, en fait, les tribus s'efforcent à oublier son nom. Donc à chaque fois qu'il y a une statuette à son effigie ou alors quelque chose en rapport avec lui, il faut le détruire pour justement qu'il entre dans l'oubli. C'est pour ça qu'on l'appelle le chef sans nom. Je pense que c'est une menace encore plus puissante et plus dangereuse que le Wendigo. Sachant que si on a déjà les deux dans cette forêt, c'est beaucoup. Ouh. Ce vent glacé. Ok. Il se trouve que, de par mes connaissances, je sais également que le Wendigo est, si mes souvenirs sont corrects, un être immortel, et qu'effectivement il faut détruire l'effigie du Wendigo pour le faire disparaître définitivement. En général, ces effigies sont des sortes de gros épouvantails avec une tête de cerf qu'il faut brûler, et qui se trouvent en général en plein milieu du territoire du Wendigo. S'il n'y a pas d'effigie dans le coin, ça veut dire que nous sommes peut-être dans son périmètre, ou que tout simplement nous en sommes dans les bords. Il faudra donc, pour se débarrasser de cette menace, s'enfoncer plus profondément dans les bois, ou retrouver tout simplement le centre du périmètre. Et pour ça, il faudra déjà déterminer où est-ce qu'on se trouve sur le cercle. Peut-être que s'il nous a pas attaqué, c'est qu'on est totalement en périphérie du cercle. C'est possible. Et qu'il attend qu'on s'enfonce dans la forêt pour... Tout à fait. C'est pour ça qu'il a essayé d'attirer Abby à l'intérieur de la forêt. Est-ce que vous êtes capable de créer des illusions de petites filles qui pleurent? Ça me dit rien, ça, par contre. Je ne sais pas, Joshua, toi? Je ne sais pas. Mais c'est quoi que vous avez vu? Et puis si là, il y a un camp, ça veut dire qu'il a été, il y a eu le temps de faire un camp, donc c'est que le lieu doit plutôt être sécure. On ne doit pas être attaqué toutes les 10 secondes ici, si les gens ont eu le temps de voir y être pendant quelques nuits, en tout cas. Je ne pense pas qu'un camp aurait été établi ici et aurait été occupé à plusieurs reprises si ce n'était pas dans un endroit minimum... Sauf si quelque chose a réveillé des esprits en venant dans cette forêt. Quelque chose qui aurait assassiné les enfants, enfin le monsieur, j'ai oublié son nom. Nilsson. Stuart Nilsson. Merci. Monsieur Nilsson et son troupeau. Cependant, j'ai tout de même une... Et quelque chose est effectivement curieux. Alice et Clyde, vous avez l'habitude de venir dans ces forêts et vous n'avez... Ça ne vous était jamais arrivé? Dire qu'on n'entend plus, toujours plus ou moins... Non, on n'a jamais rien croisé dans cette forêt, à part des cerfs, quoi. Ouais. Beaucoup de cerfs. Des cerfs. Ouais, des cerfs. Ouais. Uh-huh. Des cerfs.
Je parle pas des cerfs de l'oiseau, hein, bien des cerfs à l'animal. Hein. Mais en vrai, chasseur, vous cachez quelque chose là, c'est évident. Je veux dire, depuis le début, vous nous parlez de cette forêt comme si c'était chez vous. Vous me parlez des cerfs, je sais pas ce qui se passe avec ces cerfs, mais c'est pas normal aussi. On est dans une situation vraiment merdique, donc ce serait le moment d'ouvrir votre bouche si vous avez quelque chose à dire, s'il vous plaît. C'est pas les mots que j'aurais employés, mais je suis ravi que vous ayez enlevé cette épine de mon pied, Abby. Merci beaucoup. Ce que je sais, c'est que dans Monsieur. cette forêt, je vous l'ai dit depuis le début, on n'y a pas notre place. Enfin, Ça, on a compris. On a besoin de plus d'éléments. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. dans cette forêt, c'est presque comme si on revenait à l'état sauvage. On est face à la nature, on n'est plus aussi puissante qu'elle. On redevient tous des bêtes. Vous bâillez, Olivia? Tout ce que j'en pense, tout ce que j'en pense, moi, c'est que le chasseur, il aurait pas dû reprendre deux fois de la quinine. Il est un peu trop détendu, quoi. Il est un peu trop beaucoup détendu. Très bien. Il parle en énigme. T'es sûr que c'était les bonnes Il feuilles? parle en énigme. Oh merde, j'ai confondu avec la coca. Il a pris une sacrée dose de coke, frérot. Ah, flûte. Vous, Alice, Ah, vous n'êtes c'est au mince. courant de rien? Vous savez, moi, je suis très peu venue dans cette forêt. Je ne suis qu'au début de mon apprentissage. Alors, ça fait maintenant pas mal de temps que vous parlez. Et la nuit est déjà bien avancée. Vous n'êtes pas forcément tous fatigués, hein. Vous venez tous de prendre une tisane justement un peu contre la fatigue. Mais qu'est-ce que vous comptez faire de votre nuit? Le mieux, c'est de faire des tours de garde et d'essayer de se reposer, de rester auprès du feu et de partir dès qu'on peut. Je suis Ouais. d'accord. Je propose Dans la qu'on mesure dorme du trois par possible, se trois et reposer est une bonne idée. qu'on ne fasse pas des tours de ronde où il y en a qu'un qui est éveillé, mais qu'il y en a Oui, toujours soit deux, déjà soit trois. plus que un, je voterais pour deux ou trois, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord. Et On est. qu'évidemment, ceux qui montent la garde aient des armes. Sinon, c'est pas. Mais en fait, on est trois à être armés, donc on peut faire Donc des on s'échange, ouais, on fait des tours d'armes. dort à l'intérieur du coup du cabanon. Faut qu'on soit près du feu. Moi, je propose qu'on dorme autour du feu, Autour du feu même le de sol. Ronde, quoi. Ça marche. Et si vous Je entendez pense le qu'on fout le moindre feu à tout bruit, le vous réveillez. campement, comme ça Ouais. il y a un grand feu. Après, on peut utiliser ma cache. Comme ça, si quelqu'un vient, on peut potentiellement mettre un feu et faire semblant qu'on dort à cet endroit-là. Et peut-être que ces personnes vont venir. Et puis, du coup, si elles trouvent un lit, par exemple, bien camouflé, bah, peut-être qu'elles vont s'en prendre à des personnes qu'elles pensaient être là, alors que nous ne sommes pas du tout ici. On aurait l'occasion de pouvoir observer ces personnes de plus loin, de la cache, peut-être. Vous Mythe voulez dire bluffeur, utiliser monsieur. la cache La dont cache où il y a il y les avait le trucs. Wendigo tout à On ne l'heure? trompe pas un esprit comme ça. Alors, Enfin, vous ça parlez marche d'une quand. cache. Ça marche quand il y a Vous neuf parlez d'une cache, esprits, mais j'ai pas Olivia, qu'un mais. seul, quoi. Moi, je suis plutôt de Elle l'avis est. de quelqu'un sur ce coup-là. Je veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Voilà. Vous parlez d'une cache, Olivia, mais elle est grande cette cache? Elle était suffisamment grande lorsque j'étais avec mon mari, mais c'est vrai que elle se contiendrait à 6. Je pense que l'urgence ferait que oui, mais on ne pourrait pas dormir non plus Et d'ailleurs, Si vous Olivier, avez vous peur, toute la nuit. si vous avez peur de dormir dehors, vous pouvez dormir dans la cage pendant que ceux qui montent la garde, on déplace le feu près de la cage et on reste devant. Oui, on peut faire ça. Mais qu'est-ce que vous veniez faire avec votre mari déjà dans cette forêt, Olivia? C'est vrai ça. Je crois que personne ne vous a posé la question. Ça Chacun change marche si 100 ans, je. Clyde. Ça marche si je réponds que je cueillais des plantes ou c'est un peu trop obvious? Je crois que c'est un Moi, petit peu trop obvious ça comme me vous va. dites. Hein. Bah, t'es Après, herboriste. vous iriez pas plus loin que le chasseur quand il veut pas répondre aux questions, mais si vous avez Alors envie moi j'ai d'aller un petit commencé à peu plus répondre loin aux que lui. questions, mais ça a fait bâiller l'herboriste, donc écoutez. Oh, mais. Ah, non, 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 non. Vous avez commencé à répondre aux questions, puis vous avez sauté sur l'occasion que l'herboriste bâilla pour arrêter d'y répondre. Ça s'appelle botter en touche, monsieur le chasseur, Et tout du simplement coup, parce qu'on a attrapé. Olivia, vous vouliez me dire quelque chose? Non, non, c'était simplement pour dire que bah peut-être que si on pouvait utiliser la cache simplement pour se cacher et observer, peut-être s'il y a des gens qui viennent, peut-être même des esprits, mais apparemment l'étranger a dit que cela ne suffirait pas à les berner. Non, Alors, mais vous pouvez dormir mon dedans. idée est rejetée alors. Non, vous pouvez très bien dormir dans la cage et on monte Ah la mais garde. je. Non, non, je resterai avec vous, je vais pas rester toute seule. Comme vous voulez, Miss Blossom. Oui, décidément, je veux pas rester tout seul. Qu'est-ce que c'était que ça? Pas un cerf. Le On bruit peut qu'on a inspirer? entendu tout à l'heure, Confirme. non? Après avoir entendu l'enfant pleurer, on a entendu ce bruit-là, non? Je me rappelle pas. Enfin, je l'ai pas fait. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir de quel animal de la forêt il s'agit? Est-ce que grâce à mes compétences Vas-y. incroyables, je peux également faire la même chose? Oui, vas-y, Ouah, un, c'est sûrement un cerf. Sûrement, ouais. Non, c'est Bah, un deux mec pour moi. déguisé. Deux pour moi, mais je possède le talent. Donc, Reconnais les bruits d'animaux. c'est Est-ce que ça. c'était un Il bruit donne d'animaux?
Ce qui donne un bonus. Alors, je veux dire, au départ, oui, totalement. C'est juste la fin qui t'interroge. Je veux dire, c'était clairement un bruit de serre, mais enfin, à la fin, ça finissait quand même plutôt sur un grognement. Bon, et ça, t'as quand même. Bon, t'as déjà vu des cerfs, quoi. Tu vois très bien que c'est pas trop le genre d'animal qui te regarde en grognant. Est-ce que le Wendigo est pas à moitié cervidé? Oui. Il a une tête de cerf. Bon, c'est bah, pour ça coup... que depuis tout à l'heure, quand tu parles de tes cerfs avec tes Wapiti et compagnie, c'est. Bon, les Wapiti, ça nous fait bien rigoler, nous. C'est clair. On se marre depuis des heures. Ça fait des heures qu'on se marre. Tout ça, clairement, c'est un cerf, c'est un cerf. Regarde là, regarde, je me gosse. Il y a pas de garenne. Je me gosse. On va être crevé. On va tous mourir. Ouais. Donc vous m'aviez dit que vous alliez faire des tours de garde. Qui s'occuperait du premier? Ce que je vous propose, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un expert en Wendigo, un chasseur et une personne qui n'a pas d'arme. Donc... Et ça, trois fois dans la nuit? Et ça, deux fois dans la nuit, du coup, parce qu'on fait deux groupes de trois, je crois. Et ce qu'on peut faire, c'est que comme moi et l'herboriste, on a toutes les deux des compétences de guérison, on peut chacune être dans un groupe différent, si besoin est de guérir des gens rapidement. Donc, ça vient prendre le premier tour. Bon, ça, c'est juste un... Moi, je veux bien prendre le second tour, comme ça, je peux aller faire pipi et pas me pisser dessus. Eh bien, alors, je prends le premier tour, je vais prendre Jackie avec moi. Et puis, si Olivia baille, elle a qu'à aller dormir, on reste avec la guérisseuse. Ok, on fait ça. Du coup, je prends le deuxième avec Alice. Abby, Jack et Clyde pour le premier tour, et Alice, Olivia et Joshua pour le second. Exactement. Ça marche. Bon, quelque chose me rassure un petit peu. Ça y est, ça ne me rassure plus. Ah, c'est pourquoi? Mais c'est parce qu'on entendait des animaux alors qu'on les entendait plus. Ah, c'est bon, ça va. C'est bon, ça va. C'est quelque chose, c'est une réflexion qu'on s'est faite avec Joshua, mais en haut de la colline, on n'entendait plus les oiseaux de la même façon. Vous voulez dire quoi exactement? Bien, comme dit le proverbe, là où il y a de la vie, il y a de l'espoir, et les animaux font partie de la vie. Donc tant qu'on entend des oiseaux, des animaux, c'est qu'il n'y a rien à craindre, entre guillemets. Du coup, la conclusion, c'est qu'étant donné qu'il y a des oiseaux, ça veut dire que le Wendigo est parti. Je peux pas vous le garantir, puisque le Wendigo s'attaque uniquement à l'homme. Mais peut-être que l'esprit pervers que dont vous avez subi la présence, Abdi, est lui en effet parti pour le coup. Possible. J'en ai aucune idée. Ouais, je sais pas si j'entendais des amis. Vous avez entendu ça? C'est un sifflement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je reprends mon fusil tranquille. Ça, j'ai pas entendu. Moi, je me rapproche du coup du chasseur. On va encore passer Est-ce une que je regarde autour de moi. Est-ce que je peux encore tirer un dé pour savoir de quoi il s'agit comme cri? Vas-y. Mais c'est un oiseau, ça. Six. Et ça se rapproche. C'est un piaf, ça. Je suis pas certain. Alors... Si, c'est un piaf, ça. Tu la regardes, tu hausses les épaules, je fais, ben, attendez. Toi, tu reconnais tout de suite l'animal, c'est bien évidemment une chouette effraie. C'est pas pour rien d'ailleurs que ça s'appelle une chouette effraie. Et du coup, tu rigoles, tu souris doucement en les regardant, comme quoi elle porte bien son nom et tu t'amuses bien de les avoir vus effrayés. Le lapin de garenne, là là là. Le lapin de garenne. Un petit peu d'humour, enfin, Jack. Ouais, oui, c'est bien ce qui me semblait. J'ai eu un petit instant avec tout ce qui s'est passé cette nuit. Mais en parlant de ça, Abby, est-ce que vous pouvez nous décrire exactement ce qui s'est passé puisque nous n'étions pas avec vous et Alice? Eh bien, j'ai entendu le pleur d'un enfant, donc. Ensuite, je me suis dit que potentiellement un enfant d'être là, ça, je suis pas hyper. J'étais pas hyper sûr que toutes ces légendes existaient, je suis assez hermétique à ça. Donc, Vous avez un esprit très cartésien, si on peut dire. Voilà, et du coup, je me suis dit que ça devait être forcément un enfant. Si on entend un enfant pleurer, c'est que ça ne peut être que ça. Évidemment, ça n'a aucun sens d'entendre un enfant pleurer dans cet environnement-là, mais quand j'y suis allée, j'ai. Rien entendu que des bruits de vagues d'eau qui m'ont mis dans une espèce d'état hypnotique où je ne me rendais plus vraiment compte de ce qui se passait et j'essayais d'aller vers cet enfant qui courait, je courais après lui, puis il a commencé à rire et d'un coup je suis revenue sur terre parce que notre apprenti m'a littéralement pris sur ses épaules et elle a couru dans l'autre sens. Ouais, je la reconnais bien là.
Beaucoup de force. Ouais, et quand je me suis réveillée, entre guillemets, quand je suis sortie de ma torpeur, elle était, j'ai entendu un énorme bruit, comme un grognement, celui qu'on a entendu juste avant. Alors, pas la chouette, ok, mais juste avant, cette espèce de grognement du Wendigo, si on décide que c'est ça. J'ai entendu, je l'ai déjà entendu celui-ci à ce moment-là. Et quand on est arrivé au camp, il y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus de bruit et vous êtes arrivé juste après. Ouais. Petite fille qui pleurait comme pour vous attirer et puis ensuite elle s'est mise à courir dans la forêt. Elle courait, ouais. Effectivement, si c'était vraiment un enfant en danger, il aurait plutôt couru vers vous. Il aurait juste pas cessé de pleurer. Ce serait pas mis arrivé. Je n'ai vu qu'une silhouette. J'ai vu une silhouette humaine. Oui. Vous avez clairement entendu des pleurs et... Ouais. Après, effectivement, on peut toujours mettre ça sur le compte de la fatigue, mais ça fait beaucoup quand même pour une seule nuit. Faut pas oublier qu'on est traqué par un autre esprit, comme l'a si bien dit Joshua. Ouais. D'ailleurs, à propos d'esprit, je ne sais pas vous si avez entendu. Bien entendu quoi? Un loup. Ils sont plus présents ces derniers temps. Et... Un loup. Un loup, oui. Vous avez entendu un loup? Oui. J'ai rien entendu, excusez-moi, ça doit être la fatigue. Monsieur le chasseur, il faut tendre l'oreille. Vous savez, j'ai plus le même âge, c'est pas pour rien que je suis en train de former la relève en ce moment. Et d'ailleurs, c'est pas si anodin, effectivement, je crois me souvenir que des loups n'étaient pas très très loin, effectivement, de la colline, plutôt en contrebas vers l'est. Mais, vers le marécage, non? Non, vous en avez vers le marécage, hein. Vous avez deux modes de loups, une vers le marécage et une autre vers l'est, vers les grandes roches. Une espèce de très très grandes roches. Très bizarre. C'est pas ça, des rochers dressés. C'est pas de ça dont je voulais parler. C'est pas ça dont je voulais parler. Je voulais vous parler des. Faites attention aux pierres dressées. Il y a des pierres dressées un peu partout près des marais. Faut pas aller là-bas. Oui. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous voulez que. Donc qu'est-ce que vous avez dit quoi? Excusez-moi, je me suis assoupi pendant quelques instants. J'ai un petit peu de fatigue. Écoutez, c'est vraiment pas drôle, hein. De quoi, que vous êtes en train de faire, c'est vraiment pas drôle. Je suis la seule à avoir entendu ce qu'il vient de dire ou. Clyde, est-ce que vous vous souvenez ce que vous venez de vous dire? Vous savez, j'ai des. Il y avait un cerf, non, quelque part, je crois, non? C'est pas de ça dont on parlait? Clyde. Vous avez parlé de marée? Venu chasser des cerfs. Vous avez parlé des marées? Des pierres dressées. Des pierres dressées? Oui, des pierres dressées, il y en a dans les marais, effectivement. Enfin, vous savez, attendez, il faut que je me rappelle, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Il y a des pierres dressées, pas très loin d'un peuple indien, je crois. Je me souviens avoir discuté avec eux il y a très longtemps. Je sais plus trop de quoi on a parlé ensemble, mais j'ai l'impression d'être resté plusieurs vies là-bas. Qui êtes-vous, enfin, Clyde? Que je vous sculpte, voir si vous avez juste pas un peu de fièvre. Écoutez, je me sens un peu fatigué. Est-ce que je peux juste voir s'il a de la fièvre, qu'il présente des symptômes, je sais pas, d'une grippe ou quelque chose, en me disant, est-ce qu'il est complètement en train de délirer ou pas? Est-ce que tu trouves quelque chose? Alors tu regardes, bon, clairement, il a pas l'air d'avoir grand-chose, au contraire, il a l'air d'avoir froid. D'avoir froid? On est à côté du feu. Mm-hmm. Ouais, fait un peu froid en même temps, c'est l'hiver. Hein. C'est juste l'hiver. Près du feu. Après du feu, il chauffe pas beaucoup. Hein. Écoutez, je vais peut-être paraître vraiment. Peut-être paraître très déplacé, mais oui. Je pense que votre arme, vous devrez la passer à notre ami Jack si on a une. Vous en avez une arme à feu, non? Alors, arme, Jack. Mon arme, je vais la laisser à personne, c'est mon arme. D'accord? C'est juste que j'ai peur pour votre propre sécurité. Comment ça, pour ma propre sécurité? Qui c'est qui gère la sécurité de qui ici? Qui c'est qui a remarqué les traces du Wendigo depuis tout à l'heure? C'est-à-dire, qui c'est qui vous a amené dans ce lieu, dans cet endroit? Hein, c'est moi qui vous y ai amené. Je vous y ai amené juste parce que je sais comment on se déplace à l'intérieur de cette forêt, parce que cette forêt, je la connais comme si j'y étais né à l'intérieur. Et je vous crois, mais là, vous n'allez pas bien du tout. D'accord? Ça ne va pas. Vous avez froid, vous délirez. C'est certainement pas à vous que je vais le donner, mais c'est plutôt à mon apprenti quand elle sera levée à la rigueur, mais certainement pas à vous, mon fusil, je le garde. Si vous n'êtes pas content, on pouvait vous tirer ailleurs. Et en effet, donc, pendant que le ton monte,
les trois autres comparses se sont endormis. Parce qu'ils dormaient pas encore, les autres. Ah oui, bah je pensais qu'ils dormaient. Ils sont endormis. Si, ils sont endormis depuis un moment. Hein, du coup. Ah. Et donc, parce qu'ils sont juste derrière à tout écouter sans rien dire. C'est très gênant. C'est comme ça. C'est... Oui, mais tout va bien. Ah, mais nous, on dort. Faites votre vie. Alors, donc, ils dorment, effectivement. Et l'herboriste, tu commences à faire un rêve. Assez prenant, en tout cas. Tu revois ta maison, t'es chez toi. Oh. Puis voilà, tu reconnais l'endroit. Et puis surtout, tu vois ton mari qui te dit bah bonne journée. Tu reconnais la journée en fait, tu sais très bien ce qui va se passer après. Non, ne pars pas. Tu le vois partir, prendre la porte et partir. Non, reste avec moi. Non, ne pars pas, ne me laisse. Il est parti. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de le retenir, de changer. Alors, tu ouvres la porte et là, tu te retrouves dans le bois. Alors, tu vois mal, il fait sombre. Qu'est-ce que c'est? J'y vois rien. J'essaie quand même de poursuivre devant moi, de courir à l'intérieur du bois, tant pis. Je sais qu'il a disparu près du bois, alors. Peut-être qu'il y est rentré. Alors tu cours, et t'arrives dans une grande clairière. Tu vois difficilement. C'est la lune qui t'éclaire. Tu remarques que tout autour de toi, il y a comme des pierres qui ont l'air de cercler la clairière d'une certaine manière. Et puis surtout, tu remarques que juste en face, une petite colline en plein centre de la clairière avec un arbre, un grand arbre mort. Et tu sens quelque chose de malsain au niveau de cet arbre. Et puis, tu vois ton mari. Il est à peu près au niveau de l'arbre. Et il te regarde. Et te dit, bah, viens, qu'est-ce que tu fais ? Allez, viens. Bah, je le rejoins. Alors, tu commences à avancer. Tu sens quelque chose de plus en plus pesant au fur et à mesure que tu avances. Est-ce que tu continues d'avancer ? Je te demanderai de jeter le dé. C'est le moment fatidique. Ouais, je vais encore faire un. Ben voilà. Alors, subjugué par le sourire de ton mari, tu avances même avec plus d'entrain. Tu arrives à son niveau et tu le vois, il te sourit, il te tend sa main et te fait bah, viens, allez viens. Est-ce que tu continues? Là encore, je te demanderai de relancer le dé. Oui, je vais continuer. T'as relancé le dé? Ah oui. 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 Alors, tu continues, tu prends sa main, et tu le regardes, et tu te sens bien, tu te sens super bien. Et puis au bout d'un moment donné, tu commences à sentir que son regard est différent de d'habitude. Tu commences à voir comme une lueur bleutée au niveau de son regard, et son sourire commence à devenir légèrement trop grand. Oh non. Alors là, tu te sens mal à l'aise. Là, tu veux lâcher sa main, mais il te retient. Je veux m'enfuir, oui. Est-ce que t'arrives à te défaire de sa main? J'ai peur de lancer le dé, Non, mais c'est pas possible. Mais il marche pas, mon truc. Oui, tu fais quand même systématiquement que D1, il y a un souci. Attends, est-ce que tu peux... Les dés sont piqués depuis le début. Il y a un Q après un D6. Voilà, comme ça, c'est bon. Il y a un Q après le D6, ça. Donc ouais, c'est pour je ça. Je vais le faire comme ça. Ok. Ok. C'est très drôle, quand même, du coup. Le mec, il fait 12-1 d'affilée. J'y croyais pas, quoi. Ok. Tu arrives... Enfin, tu t'enlèves de lui. Mais voilà. Il te regarde. Et là, c'est pas avec la même voix qu'il te parle. Et là, il te fait... Viens. Maintenant. Et tu commences... à voir
que la clairière disparaît presque. Et tu vois apparaître le campement petit à petit. T'es pas face au feu. T'es toujours dans ton... à côté des gens qui dorment, mais t'es plus en train de dormir, en fait. T'es plus allongé. Tu t'es avancé. Tu t'es avancé au niveau du bosquet. Et devant toi, il y a un bras qui avait toujours la main tendue. Et il y a deux yeux bleus qui te regardent. Bah, je crie. Tu vois la forme qui était toute assise se relever. Tu vois comme une ombre qui se relève devant toi. Qui doit bien faire maintenant 3 mètres. Et qui te domine. T'as quelques secondes pour réagir. Je prends directement dans mon sac le long gant que j'avais fait, qui du coup, je le rappelle, est le sabot de la Vierge. Et je touche l'entité, la personne, l'animal avec. Ok. Alors tu arrives, tu commences à lui appliquer, et il te regarde. Avec la lueur du feu crépitante, tu vois une lumière qui apparaît, disparaît un peu. Tu le vois davantage. On dirait quelque chose de décharné. Et puis un corps difforme, presque allongé. Tu remarques également qu'au niveau de sa face, il n'y a pas vraiment d'œil. Il y a une lueur, effectivement, qui s'en dégage, mais il n'y a pas vraiment d'œil. Et puis surtout, ses lèvres, tu remarques, ont l'air d'avoir été mangées, mâchouillées. Et ça laisse dépasser ses dents jaunâtres, extrêmement fines, nombreuses, avec des petits bois qui, on dirait, voilà, on dirait des petits bois de serre qui s'échappent de sa tête. Ça a rien d'humain. Et il te regarde. Il regarde ta main sur lui. D'un coup, tu commences à sentir une pression au niveau de ton dos. Oh non. Retourne. Et en quelques secondes, il t'entraîne. D'accord. Vous entendez d'un coup un énorme bruit qui s'éloigne. Vous avez entendu ? Du coup, est-ce que Olivia a disparu pour nous, là ? On est d'accord que vous la voyez plus. On dormait pas ? Non. On l'a pas vu ? Oui, mais je veux dire, Alicia, Olivia et moi, on dormait. Du coup, Alicia et moi, on a rien. Vous dormiez et les autres, vous étiez tous occupés à vous parler. Ça s'est passé en même temps. Nous, on a entendu. On parle autour du feu, quoi. Je veux dire, on surveille les gens, quoi. Ça s'est passé derrière vous. En tout cas, j'ai rien vu. La marche d'obscurité. Ah. C'est des trucs d'esprit, on s'est fait baiser. Eh ben oui. Ah. Du coup, il faut réveiller tout le monde partir à sa recherche. Ouais, part dans la direction du bruit. Avec des torches, quitte à cramer la forêt. On va cramer la forêt entière. Ah ouais, quitte à faire, ouais. Oh la vache. On va prendre tous des torches, on y va. Les esprits sont un peu emmerdés. Il va falloir trouver le moyen de les réconcilier un petit peu. Ok, là vous allez en direction... Du coup, vous partez dans les bois avec des torches ? Déjà, on va essayer de traquer pour voir vraiment dans quelle direction c'est parti. On va pas aller de manière totalement aléatoire, donc je vais utiliser mes compétences de traquage pour essayer de voir si on a pas une piste qui démarre quelque part et qui va quelque part. Alors, on est d'accord, vous remarquez. Vous réveillé, hein. Ouais, on est réveillé. Alice, je crois. Oui, tout le monde est réveillé, ouais. Oui, okay. Ah oui. Alors, vous remarquez très clairement, il y a presque une saillie dans le bosquet. Hein. Quelque chose de gros est passé et a pété des arbres. Bon, on n'a plus qu'à dessus ce chemin-là. On s'engouffre, non, on suit le chemin, ouais. Ouais, j'ai ma petite lanterne, torche, etc. J'arme mon pistolet quand même, je m'assure qu'il soit chargé avant de partir et oui, je le mets on vérifie ma ceinture. Armes. Je sors mon couteau de chasse et ma lanterne. Parce que j'ai une lanterne. Okay. J'ai une torche pour tout le monde et on est parti. Hop. On y va et au pas de course. Partez donc dans les bois. Et on trotte. C'est très difficile de vous repérer
et de voir quelque chose, en tout cas dans les bois. Il fait très sombre, en plus difficile de reconnaître même un endroit qu'on a vu de jour la nuit, tout est différent. Vous avez donc un espace très restreint qui est celui de vos torches, qui vous permet de voir à 2 mètres autour de vous. Et vous avancez en direction du bruit. Pour l'instant, vous ne voyez rien. On appelle Olivia aussi, peut-être ? Autant pour l'appeler que pour nous donner du courage. De toute façon, aussi, j'ai envie de dire, le Wendigo, il sait très bien où on est, en fait, donc... Voilà, ouais, on a du feu. Ah, c'est ça. Ok, moi, j'appelle pas, mais j'inspecte, je fais attention quand même. J'essaie de faire doublement plus attention en regardant autour de nous. Olivia ! Olivia ! Olivia ! Wendigo, salaud ! Viens nous chercher, fils de pute ! Ah ouais. Encore à terre. Non, pas trop. Alors... Écoute pas ça, fais pas ça, viens ouais, pas. Ouais, non, ouais, non. Non. Ouais, ça moyen. J'emmerderai pas un Wendigo non plus. Une balle dans le cœur, c'est ce que vous avez dit, hein. Alors, une balle dans le cœur pour le retenir. Et dans le cœur du Wendigo. Une fois, personne n'a battu un Wendigo avec des armes occidentales. Faut brûler son fétiche. Faut brûler son fétiche, c'est la Olivia. Seule manière de l'abattre. Olivia. Faut curer. Autant on court vers le fétiche, quoi. Ben, ça tombe bien, on pourra le brûler du coup. De toute manière, vous avez tous vos armes là en joue, enfin, tout prêt à tirer au besoin. J'ai une question pendant qu'on est en train de poursuivre. Les fétiches, est-ce que parfois ils sont près des arbres de manière régulière ou pas du tout Ou ça peut être un tout. Ouais, vous deux, les spécialistes des Wendigo. Alors, ça dépend. Enfin, ça dépend, c'est des folklores, donc moi, de ce que j'en sais, c'est que un grand totem, si tu préfères. Un grand fétiche, un totem qui sert en gros de... Il s'en éloigne jamais, puisque c'est son point faible, entre guillemets. Après, le territoire du Wendigo est en général marqué par des petites effigies ou... Ouais. Je sais pas, un cercle de pierre ou quelque chose, quoi. Un truc qui marque l'entrée de son territoire. Je regarde les étoiles, j'aimerais bien savoir dans quelle direction on va. Est-ce qu'on va au sud, au nord, à l'est, à l'ouest? Tu lèves les yeux et... Bah, tu vois des arbres. Ah, ils sont si grands que ça. Aucun moyen de voir le ciel, à l'endroit où vous êtes. Parce qu'on aurait dû regarder avant de partir de la colline. Parce qu'on a des glampins. Monsieur Murray, si vous connaissez un peu la forêt mieux que nous, c'est le moment de nous dire... Bah, je pensais que le chêne de la légende que j'ai raconté, il est dans le coin. Je me souviens, il y a un arbre géant, qui est. On est passé devant. Qui est près. La cabane de pêche. Oh mon Dieu, la cabane de pêche, l'arbre il est à côté. Qui est ce de pêche? L'arbre de la cabane de pêche, pas pêche pour pêcher du poisson, c'est à côté d'une rivière. Côté de la rivière, mais c'est à l'orée du bois. Il faut faire attention aux gouffres qui sont avant l'arbre et la cabane de pêche. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse demi-tour. Je crois qu'on se dirige vraiment dans la mauvaise direction. Le Wendigo, il est peut-être parti dans cette direction-là. Si ça m'étonnerait qu'il soit parti au nord, il n'y a que les montagnes et c'est la fin de la forêt. Il est parti vers le centre de la forêt, donc. Je pense qu'il est parti vers le plein centre de la forêt, c'est là où il doit vivre. Donc là où est son fétiche, et où est le gros arbre, et où est la cabane de pêche. Exactement. Et surtout, je suis d'avis qu'on crame tout une fois qu'on arrive là-bas. On retrouve Olivier en train de courir, on la crame. Il faut nettoyer ça avec le feu. J'essaie quand même de prendre, entre guillemets, à part Abby, dire, mais tu te rends compte que si on va au sud, c'est par là qu'il y a les grandes pierres dressées. Tu te souviens de ce qu'a dit Clyde? Si c'est lui qui l'a dit, parce que pour moi, il y a quelqu'un d'autre dans ce gars-là. Il n'est pas tout seul. Mon avis, de toute manière, je suis d'accord. Tout doit se concentrer à un seul endroit. Et de toute manière, ça reste du coup un bon indice sur le fait qu'on va à un endroit. Et là, on va vers le pire, mais il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on affronte. C'est assez particulier de se dire qu'en allant dans la pire des directions, on va dans la meilleure. Voilà, mais là, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que si on veut sauver Olivia et si nous, on veut s'en sortir, ça sera en attaquant et pas en nous défendant toute la nuit, en essayant de survivre comme ça, quoi. Je sais pas, peut-être qu'on va tous crever, mais au moins on aura essayé de faire quelque chose. De toute façon, là, je suis dans un state nerveux de malade, donc... On y aille. Donc vous décidez du coup de partir, on va dire que vous avez 4 options devant vous. Vous avez à droite, à gauche, tout droit en arrière. Les traces se sont arrêtées, c'est ça? Là, vous voyez pas grand-chose.
Il y a plein de trucs pétés partout. Je vais regarder les arbres et je regarde le lichen. Où se trouve le lichen ? Est-ce que tu arrives à voir quelque chose ? Avec ma lanterne, normalement, oui, je pense. Mais je vais tirer un dé. 4. Effectivement. Tu arrives à voir que... droit, vous partiriez au nord. Très bien. Alors, on prend la direction opposée. On va aller vers le sud. C'est là vous revenez sur vos pas. Alors, j'ai besoin d'un petit aparté avec le MJ. On est d'accord, parce que moi, j'ai des indications. Mais je suis parti du principe... Oui, bien sûr. Le sud... Voilà, on est d'accord, voilà, c'est ça. C'est... Oui, bien sûr. Ok, donc je me gourre pas depuis le début, quoi. Oui, bien sûr. Parfait. Bon, on va au sud, alors. Enfin, je vais au sud. Bah, moi, je suis mon mentor. Tu rebrousses chemin, évidemment. Du coup C'est pas dit qu'on rebrousse réellement chemin. Bah, vous revenez en arrière. On revient en arrière on revient sur nos pas, oui, forcément, si le tout droit c'était au nord. Par contre, t'as donné une raison pour laquelle on rebrousse chemin ou c'est juste t'es reparti dans l'autre sens au bout d'un moment ? Le lichen, il y a du lichen sur les arbres, le lichen indique le nord. Au nord, il n'y a rien normalement, il n'y a que des montagnes, si je regarde bien ce que j'ai sous les yeux. Donc écoutez, au pire, je vous dis ce que je sais. Là, pour le moment, on est en train de filer vers le nord, vers les montagnes. Si jamais on veut partir vers l'est, là-bas, il y a possiblement des loups, une grotte, des grandes roches, et peut-être un ancien abri qui est très très loin à l'est. Au nord-est même d'ailleurs. Si jamais on décide d'aller à l'ouest, on retourne vers la Creek River en repassant par la grotte de l'ours. Si on va au sud, il y a les gouffres, faut qu'on les esquive en passant un peu plus vers l'est, et on arrivera au niveau d'une clairière, et si on redescend, j'ai un souvenir de... On peut même descendre dans une espèce de rivière pour arriver jusqu'à une cabane de pêche. Et au bout de la cabane de pêche, il y a un arbre. C'est ça qu'on veut. Un grand arbre. On y va, c'est parti. Et après, il y a les pierres dressées. On vous suit, monsieur Murray. Les pierres dressées. Vous commencez à revenir sur vos pas. Et puis vous marchez 10, 20, 30 minutes. Sans à aucun moment commencer à retomber sur la clairière. Il y a quelque chose qui va pas. On voit toujours pas les étoiles. Rien. Donc là, on est d'accord qu'on retournait sur le pas pour aller au sud, c'est ça ? Ouais. Quand tu dis aucune trace de la clairière, aucune trace de l'abri qu'on était censé repasser, c'est ça ? Aucune trace du moment où vous arrivez sur une zone, plus clairsemée. Clairsemée, donc la clairière du sud, quoi. Bah, le haut de la colline, ouais. Le haut de la colline, d'où vous venez, là où il y avait l'abri, quoi. Ouais. Donc, ok. Bon. On continue dans la nuit. On est engagé. Ça fait une demi-heure qu'on marche. Ça faisait pas une demi-heure qu'on marchait pour arriver jusqu'à ce point-là. On est d'accord que là, on a fait une demi-heure dans le. On aurait dû retrouver le campement à ce moment-là. On aurait dû le retrouver, ouais. On n'est pas si loin. Donc, soit on s'est perdu. Ce qui est possible, vu que nous on connaît pas la forêt et qu'en plus de ça on n'y va plus rien. C'est vrai. Le lichen ne ment pas. Ouais, le lichen ne ment pas. Soit il y a une autre option. C'est dommage qu'on n'ait pas l'herboriste, elle aurait pu plus nous en dire sur le lichen. Ouais. Ouais, mais malheureusement c'est elle qu'on cherche, quoi. Ouais. Un cri de femme ? Un cri de femme. Ça avait l'air. Vous venez donc d'entendre ce cri dans les bois, qu'est-ce que vous faites ? Au moins, on a une direction à suivre. Ouais. Est-ce que le cri... est-ce qu'on va vers la direction du cri ? Bah, est-ce que ça ressemble à un cri à potentiellement la voix d'Olivia ou pas ? Ça pourrait. Bah, de toute façon, c'est quelqu'un qui est en danger, on va aller l'aider, quoi. Alors, attendez. Juste une seconde. J'ai tout de même à dire que Abby a également cru voir un enfant qui pleurait, qui jouait, qui criait, qui dansait. Qu'est-ce que ce serait pas encore une hallucination ? Oui, moi je suis d'avis de poursuivre notre but, et si le cri est dans cette direction, tant mieux, sinon tant pis. C'est peut-être un piège des esprits. On pourrait peut-être séparer notre groupe pour aller voir. Non. Tout le monde n'est pas armé, et puis tout le monde n'a pas les compétences nécessaires pour se défendre. Vraiment qu'on reste ensemble, je pense que divisé, on ne sera pas meilleur. Est-ce qu'on peut faire un test d'ouïe pour savoir si c'est dans la même direction qu'on va le cri ? Le cri ? Ouais. Vas-y. 4. Alors ça a l'air d'être plus ou moins
derrière vous. Donc c'est dans la direction qu'on avait au début du cours. Donc au nord. Donc au nord. Si aller directement vers la bête ça sert à rien. Oui, ça sert à rien, effectivement. Continuons à avancer vers le sud alors. On n'aura d'aucune aide à Olivia en nous précipitant dans la gueule du loup. Tout à fait. Pendant ce temps-là, l'herboriste ouvre les yeux petit à petit. Elle se sent plus ou moins brinque-ballée. On la transporte rapidement. Et elle se sent jetée par terre. Il fait noir. Elle n'arrive pas vraiment à voir ce qui se passe autour d'elle. D'après les odeurs, elle est toujours en forêt. Qu'est-ce qu'elle fait ? J'essaie d'allumer un feu. Ok. Essaye. Décidément, t'as dû passer dans les zones mouillées et ça ne prend pas. Devant toi, tu vois petit à petit comme une lumière, il me paraît une lueur. La lueur se rapproche de toi et tu revois le visage de ton mari. Encore une fois, il te tend sa main et te dit « Viens ». Cette fois-ci, je décide de ne pas y aller. Ok. Tu pars ou juste simplement tu prends pas sa main ? Je ne prends pas sa main. Alors son visage disparaît, tu revois les deux yeux bleus qui te regardent. Et d'un coup, tu sens un gros choc. Tu te sens emmené dans les arbres. Et tu sens d'un coup une immense douleur au niveau de la poitrine. Tu regardes et tu vois très clairement une branche sortir au niveau de ton ventre. Tu sens le vent. Tu l'entends autour de toi. Et tu retombes. Tu retombes d'un coup au sol. Et là, au sol, dans une petite lueur, tu vois toujours le visage de ton mari qui te regarde. Toi, t'es allongé au sol, t'as du mal à respirer. Et il te regarde, il fait « Maintenant, on est ensemble. » Et petit à petit, son visage disparaît. Et tu vois que derrière, il y a un cadavre. Ça a dû être un squelette à un moment donné. Mais très clairement, tu reconnais la bague qu'il avait au doigt. J'ai enfin trouvé mon mari. T'entends encore ce cri derrière toi. Tu sais maintenant que c'est fini. Mais comme tu le dis, au moins, tu l'as retrouvé.